Bienvenue dans l'espace presse de la médiathèque. Cet espace contient approximativement 200 abonnements, renouvelés au fil du temps et en fonction des nouveautés. Et moi, je voudrais ce matin vous présenter deux nouveautés. Le premier, Gradia. Gradia, encore un féminin, vous allez me dire. Oui, mais pas seulement. Dans Gradia, comme dans tous les féminins, il y a des pages mode, il y a quelques pages cuisine, il y a des pages sur le maquillage. Et puis, il y a aussi des articles de fond sur l'actualité. Dans le dernier numéro, vous avez tout un article sur l'écologie, par exemple. Et enfin, dans Gradia, il y a aussi, à la fin de la revue, des pages culture. Donc, des pages qui vont vous présenter les derniers spectacles, qui vont critiquer les films qui sortent, et pas forcément les plus connus, qui vont vous présenter des albums récemment sortis. Voilà. Donc, ce qui fait l'intérêt de Gradia, c'est que c'est très divers, c'est très documenté. Ensuite, le deuxième magazine que je voulais vous présenter, c'est Society. Alors, Society a été fondé en 2015 par un groupe qui s'appelle Sopress. Il se définit comme le premier quinzomadaire de société. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Society? On va trouver des sujets d'actualité originaux et traités souvent de manière originale. Ils respectent en général la fameuse règle des 3 H, l'humain, l'histoire et l'humour. Et c'est vrai que dans tous les articles, ce sont les 3 éléments principaux que l'on retrouve. Leur fonctionnement, il est un petit peu différent des autres magazines de société, à savoir qu'ils n'ont pas de cases à remplir. Ils ont une équipe de journalistes qui propose des sujets, ce qui fait que chaque numéro, tous les 15 jours, est différent du précédent. Il n'y a pas de vrai schéma. C'est très très riche. Et ce qui est intéressant, c'est que la périodicité de cette revue laisse le temps aux personnes qui le lisent de s'intéresser à l'actualité. Voilà. Dernière petite chose, vous ne trouverez aucune critique de livres, de films ou de CD dans ce magazine. Et voilà les deux magazines que je voulais vous présenter aujourd'hui. À bientôt !